Tout le monde se souvient de Macaulay Culkin qui apparaît au sein du casting du film Maman, j'ai raté l'avion. Mais saviez-vous que son petit frère a aussi eu un grand rôle au sein de la fiction? Explication. Si est-il une fiction qui a marqué le monde du grand écran. En 1990, le monde découvrait Maman, j'ai raté l'avion, un film réalisé par Chris Columbus qui parvient rapidement à conquérir le public, tout comme sa suite, sortie en 1992. Au sein du casting, apparaît un acteur devenu une personnalité incontournable du cinéma, Macaulay Culkin, qui incarne le rôle de Kevin McAllister. Aujourd'hui, il semble difficile pour certains d'évoquer la star sans penser à son expérience au sein des deux films. Néanmoins, le compagnon de Brenda Song l'avoue, il ne garde pas que des bons souvenirs. Il y a des gens qui veulent s'asseoir avec moi et les regarder avec moi. Et si est-il à la fois flatteur et flippant. Puis, quand je regarde les films, je me souviens parfaitement de comment c'était sur le plateau. Je suis incapable de les regarder de la même façon innocente que les autres, a confié Macaulay Culkin dans son podcast intitulé Bonne Years. Pourtant, s'il y a une présence qui aurait pu le rassurer au moment des tournages, si est-il bien celle d'un membre de sa famille qui, lui aussi, incarnait un rôle important. Macaulay Culkin, son frère Kieran jouait aussi dans Maman, j'ai raté l'avion au cours du tournage de Maman, j'ai raté l'avion. Macaulay Culkin pouvait se vanter d'avoir Kieran, son petit frère, régulièrement à ses côtés. En effet, ce dernier incarnait le rôle de Trulli McAllister, le cousin du personnage principal au sein du film. Cette expérience a d'ailleurs été particulièrement fructueuse pour Kieran Culkin. En effet, après son apparition dans le long métrage, l'acteur aujourd'hui âgé de 41 ans a joué dans plusieurs films et séries à succès. Il a notamment tenu le rôle de Roman Roy au sein Feuilleton Succession, diffusé sur la chaîne HBO pendant 5 ans. Rien que ça,